Ok les mecs, ça va ou quoi? Moi ça va. Ça va pas. Ça va pas du tout. Vous vous rappelez depuis la dernière vidéo quand j'avais acheté la manette et que j'avais joué avec? Les amis, j'ai acheté une manette! Ma première manette de toute ma vie! Bah en fait, il s'est passé un petit souci. Ça fait même pas une semaine que je l'ai la manette les mecs. Ça fait même pas une semaine et il y a déjà un bouton qui commence à bugger. Le bouton RB. Enfin, vous savez, c'est le bouton pour changer d'arme vers la droite sur Fortnite. Mais il commence déjà à bugger. Parce qu'en fait, la manette c'est de la merde. La manette c'est de la merde, je l'ai même pas fait tomber, j'ai rien fait. Et le bouton il commence déjà à bugger. Du coup j'en ai racheté une autre. Parce qu'en fait la manette c'est de la merde, genre tout le monde m'avait dit ouais fais gaffe la manette elle se casse vite et tout. Mais là c'est pas cassé vite, là c'est cassé hyper vite là. Le bouton R1 il commence déjà à bugger, Y aussi. Y, le bouton Y là pour aller sur ma pioche il commence à bugger aussi. Vous avez vu? Et en gros, j'ai ce souci-là avec la manette. Et des fois, la pioche, elle veut même pas... Voilà. Je viens d'appuyer trois fois, je sais pas si ça s'est vu. J'ai appuyé trois fois et ça veut pas aller sur ma pioche. Voilà, vous avez vu ou pas? J'ai spam le bouton Y là et ça va marcher. Donc ça me casse les couilles en fait. Fuck you Microsoft, fuck you. Ça me casse les couilles en fait. J'ai acheté cette manette-là 180 balles et elle marche déjà plus, enfin elle commence à bugger. Je trouve ça inadmissible que d'avoir un produit qui coûte aussi cher. Et ça commence déjà à bugger. Du coup j'en ai acheté une autre. Celle-là je vais la renvoyer. Et j'ai acheté la Astro C40 les mecs. Alors du coup petit unboxing. Par contre les mecs, je sais pas si vous savez mais j'ai un peu le seum. Parce que Fortnite vient de dire qu'ils allaient nerf l'aim assist sur PC. Bon en gros ce qu'ils me disent c'est que j'ai acheté une manette, enfin que j'ai acheté deux manettes et que je dois me les enfoncer dans le cul en fait, voilà. En vrai je m'en fous, nerf ou pas nerf, je vais continuer à jouer manette parce que j'aime bien. Ah celle-là m'a coûté 210 euros hein. 210 euros, mais j'espère elle fait à manger pour moi, hein. J'espère vraiment elle cuisine hein. 210. Wesh. Ok du coup elle ressemble à ça. Je joue clavier souris, j'achète 150 souris. Je joue manette, j'ai déjà acheté deux manettes en moins d'une semaine mec. Eh hey, je suis grave, eh hey, c'est pas bien. La boîte est stylée, y'a quoi d'autre dedans? Ok, y'a rien d'autre. En vrai, elle est stylée de ouf. En vrai, je l'imaginais pas comme ça. En vrai, elle est putain de stylée. Oh, j'aime bien les palettes, elles sont grosses et tout. Ah oui, truc de ouf avec cette manette. Un truc de ouf, ouf, ouf. En fait, vous pouvez enlever ça. Oh, je vais tout casser, je le sens. En gros, en fait, vous pouvez enlever ça. Et après, vous pouvez changer les trucs de place. J'ai mis les deux joysticks à gauche. C'est bon, on rigole. Bon, après 14 heures de galère intensive, c'est bon, j'ai ma manette. J'ai branché, j'ai mis un joystick en bas à gauche, un joystick en bas à droite, comme sur la manette Xbox, c'est plus simple pour moi. Et c'est parti, je configure les palettes. Les potes, il y a un souci. Bon, attendez, calmez-vous. Non, les mecs, tout est sous contrôle. Ok, tout est sous contrôle. Oh, je vais tout casser, je le sens. Bon, les mecs, en fait, sur ma manette, les joysticks sont totalement buggés. C'est-à-dire qu'ils vont tout seuls en bas et à droite. En fait, ils vont dans cette direction-là. Ça veut dire que sur Fortnite, en fait, mon perso il fait que de bouger. Du coup, j'ai démonté ma manette. Sauf que petit souci, j'ai pas de tournevis pour cette vis. Est-ce que vous la voyez, cette petite salope-là? Vous la voyez ou pas? Je n'ai pas de tournevis pour celle-là. Donc, je vais devoir aller en acheter. Je reviens tout de suite. Je vous jure, je suis en train de péter un câble. J'achète ma manette, elle fonctionne déjà pas. Non, je vous jure. Ok, les mecs. Alors, je suis allé essayer d'acheter un tournevis. Oh, j'arrive plus à parler. Je vous jure. Hey, les mecs, je galère. Je suis allé essayer d'acheter un tournevis, j'ai pas trouvé et du coup je suis revenu. J'avais déjà commencé à démonter la manette, du coup ici j'arrive même plus à remettre la partie ici. Je vous jure, c'est un calvaire ce qui m'arrive. J'ai enlevé la partie ici, du coup j'arrive plus trop à la remettre, mais ça je m'en fous, ça me dérange pas en vrai. Mais du coup la manette c'est bon, elle fonctionne. Du coup j'ai dévissé, puis tout revissé et du coup ça marche. Voilà, ça marche parfaitement les frères, c'est parti, on peut enfin aller jouer, let's go! Ok les mecs, première petite game avec la manette. Ça c'est genre manette ça. Voilà les genres manettes. C'est ça qu'on veut les genres manettes. Non mais qu'est-ce qui se passe? Oh, eux c'est encore pire que moi. Pourquoi ça n'a pas sauté?
Oh, let's go. I'm a monster, man. I'm a god controller. I'm so good, man, at this game. Like, what the fuck? Déjà 4 kills, mec. Oh, le... Oh, là, le code UMS. Eh, le code UMS. Voilà, tu connais. Hop là. Il a décidé de casser les couilles là. Bah alors? Quoi? Non mais quoi, mais ma roquette hein? Allez, allez, casse-toi! Oh, casse-toi! Oh, casse-toi, Momo! 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 Casse-toi, Momo! Laisse-moi tranquille, Momo! Non, faut que... C'est une blague ou pas? Je le fais stream hack ou pas, vous pensez? C'est pas possible, là, ce qui m'arrive. Si? Non, mais tu vas me lâcher ou pas? Non, mais il rigole ou pas? Ah, ok. Oh, quel mec chiant. Allez, allez, tu dégages. Tu vois ma route, tu dégages de ma route. Momo, Momo. On a le grappin, let's go. Et en vrai les mecs, la manette elle est trop bien, je kiffe de ouf. Je sais pas si je rush ou si je joue le top 1. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je lui ai mis 2 balles dans les airs comme ça là en volant. Oh mon dieu. Oh mais il doit tellement avoir la haine contre moi. Après faut avoir de la yam quoi les mecs. Faut avoir du shoot hein. Eh si vous avez pas de shoot les mecs vous pouvez pas le faire hein. Let's go ça. Il avance pas, let's go. Oh let's go le space. Vous savez ce qui me manque là? Est-ce que vous savez ce qui me manque le chat? La Thompson Momo. Momo la Thompson. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, montre-toi. Voilà. Oh, le karma. GG, mec. GG à toi, mec. En plus, tu me ramènes la Thompson, mais t'es vraiment trop sympa comme mec. C'est vraiment le sang de la veine, quoi. Hein. Oh oui! Oh oui, les mecs, les top 1! J'ai trouvé un kit! Trop de chat! Je voulais prendre des fiches, mais il me les a pris. Du coup, je prends le kit. Let's go! Bon, lui, il était pas ouf, lui. Mais let's go, le top 1 avec la nouvelle manette. Wouhou! On fait des 90. Une double edit. Bon. Bon. Let's go, le top 1! Du GG dans le chat, là. Des GG dans le chat. Bon, les amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on s'abonne. On active la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas le code UMS pour un maximum de shield. Vous avez vu à la fin de la game, les amis. J'ai été béni des dieux. J'ai trouvé un kit de soins et une grosse pote. Alors que j'étais à 114 HP. Si ça, c'est pas le code UMS, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut. On se dit à la prochaine, c'était UMS. Ciao.